pour fêter la victoire d'Emmanuel Macron, du président de la République, qui a aujourd'hui porté les valeurs de la République, de la diversité, de la fraternité. Et on a fait de la résistance vis-à-vis de Marine Le Pen, qui nous proposait une France qui n'était pas la nôtre. Nous laissons une France toute couleur. Nous laisser une France qui ressemble à la Réunion. Et nous devons vraiment faire barrage à Marine Le Pen. Nous l'a fait, nous la travaillons. Et maintenant, ben, le travail est devant nous. Il faut nous continuer à faire ce que nous aimons, c'est-à-dire parler de la Réunion, parler des Dionysiens, parce que moi, elle sera candidate sous Saint-Denis. Mais au-delà de Saint-Denis, il faut parler de la Réunion. Il faut continuer à batailler pour les problèmes que n'en a encore beaucoup aujourd'hui. Et ça, il ne règle pas en une fois. Il règle en plusieurs fois et il faut le temps pour les choses parce que les difficiles, le monde dans lequel nous l'est aujourd'hui, c'est un monde que les violents, un monde dur. Et les élus que nous l'est aujourd'hui, c'est notre engagement. Moi, je l'ai engagé depuis 2008 sur la ville Saint-Denis. Nous la mettons en place des choses. En tant que député, nous la mettons en place des choses. Nous la mettons en place des contrats, nous la mettons en place des logements, nous la mettons en place des actions pour l'éducation des Marmailles. Ils comptent beaucoup sur la formation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand il fait la mobilité de bande jeune, nous envoie Azote bien souvent là-bas sans dire à Azote qu'on a un retour ici. Il faut qu'on en ait un retour. Moi, la bataille, et moi, la mettre dans la loi que le retour de nos jeunes gens et de nos jeunes filles, que les fonctionnaires en France, ça doit être prioritaire pour revenir dans notre pays. Voilà tous les combats que nous avons là. Et puis le social, la solidarité. Et nous en avons encore pour faire. Et moi, elle est là avec l'énergie, avec l'engagement que moi en a pour continuer ce combat-là. Les longues, les difficiles, mais quand on est engagé en politique, on porte des valeurs, on aime notre pays, ou aime la Réunion, et c'est mon cas, ben nous va continuer. Nous va continuer pour se lâcher la douleur des gens, la souffrance, et puis pour aussi monter un peu, parce que m'y connaît que les parents, ça n'a beaucoup d'espoir pour cette Marmaille. Et moi, m'y crois qu'en faisant un travail politique, nous peut ouvrir l'espoir. Les très, 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 très... C'est une affaire qui touche à moi et nous va continuer. Au-delà de la victoire d'Emmanuel Macron ce soir, c'est midi haut de faire nous un petit bilan de François Hollande, de la mission de François Hollande pendant ce quinquennat. Le débat présidentiel l'a fini. Il ne cause plus de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, les présidentiels, les réglés. Maintenant, nous, ça va être dans le débat législatif. Nous va être dans les élections pour choisir un député. Et un député, c'est un monde que n'a le coffre, n'a l'envie, n'a la détermination, que les connus. Moi, je l'ai connu là-bas en France. Ils respectent aujourd'hui, parce que moi, j'ai été ministre des Outre-mer, ils respectent la Réunion. Donc, nous va continuer ça. Le débat présidentiel est fini. Hollande, tout ça, est fini. C'est Macron président ce soir. Donc, devant nous, on a 4 semaines pour les élections législatives. Et le Parti Socialiste, ça, ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on connaît. Le monde n'est pas intéressé par tout ça. Ce n'est pas notre problème. Le monde, le Parti Socialiste, le Parti. Comment les Républicains, elle a été éliminée, les Républicains aussi. Aujourd'hui, c'est un président de la République qui est au-dessus de tout ça. Et le monde, les gens ont besoin qu'ils causent de Zot, qu'ils causent avec Zot, qui écoutent à Zot et qui portent Zot voix. C'est ça que Zot veut. Le reste, les problèmes de parti, ce n'est pas notre problème de tous les jours. Dans la vie, quand on est en difficulté, on ne pose pas où le devenir du Parti Socialiste, du Républicain, de l'UDI, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous allons voir ça après.